Allez, c'est parti, bonjour à tous, installe-toi Jérôme, petit impensable. Et bonjour tout le monde. Donc là, ça va déboîter, je te dis pas le titre. Qu'est-ce que je peux vous dire? On prépare, on est en train d'en faire plein. On a profité d'une accalmie qui personne pour vous faire des tours, pour filmer des tours. Et comme on va être bientôt confiné, on en a fait d'avance. Je pense que c'est une prédiction, on va être confiné jusqu'au mois de février. Donc, on y va, c'est parti. Jérôme. Allez. Regarde-moi ça. Jeu de cartes. Ok. Ok. Bon. Regarde ce qui va se passer. Alors, comment je vais te faire ça? Oui. Alors, je ne t'ai pas fait mélanger le jeu au début, exprès, pour faire partir le spectateur dans une fausse direction ou pas. Parce que regarde bien ce qui va se passer. Tu vas couper une partie du jeu. Je fais? Ouais, ouais. Tu okay. coupes. Et tu vas regarder la carte qui est dessous, que je ne peux pas connaître. Et tu la montres à la caméra. Ok. Donc ça c'est vrai. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Ok. Tu peux même l'enlever. J'enlève le paquet ou la carte? La carte. D'accord. Et maintenant, regarde ce qui va se passer. Tu prends le jeu et tu commences à mélanger. Ok. Donc je te montre. Hein. Et tu vas poser ta carte ici. Mais... comme tu penses que c'est moi qui ai mélangé ce tas et que cette carte c'est moi qui l'ai mise. Ah ben c'est pas je pense, c'est toi qui as mélangé. C'est moi qui ai mélangé, donc tu vas prendre un tas et tu vas le mélanger. Comme ça la carte du dessus c'est toi qui va la choisir. Et je regarde même pas. Comme ça il n'y a pas de dire de marquer, pas marquer des marchés. C'est honnête. Honnête. Ta carte tu la mets là. Ma carte je la mets là. Ok. Et ton jeu tu le remélanges, tu le remets par-dessus. C'est plus qu'honnête. Et ça, tu le coupes. C'est beaucoup plus qu'honnête. On va loin, là. Donc, ce que je veux dire, c'est que ta carte, elle est allée se sandwicher entre deux cartes que je ne peux pas connaître. Ah, tout à fait. À un emplacement que je ne peux pas connaître. Ah, tout à fait. Et maintenant, il faut que je la retrouve. Quel bordel. Alors, si je prends le jeu, je le mets dessous comme ça et je trifouille et que je te sors deux cartes qui sont intéressantes pour retrouver ta carte. Ça paraît impensable déjà, parce que j'arriverai à le faire moi aussi. Oui, mais je ne saurais pas quoi prendre là. Je veux dire, j'ai pas de marque, j'ai pas de... Je sais pas ce que tu vas faire, mais... Tout était fait retourner, donc ta carte, on ne sait pas où elle est. Ça, je suis entièrement d'accord. La seule chose qu'on sait, qu'elle se retrouve dans un endroit que personne ne connaît, parce qu'il y en a des dessus, dessous, mélangés. Tu vas rien regarder? Rien regarder, je mets les mains dessous. Bah alors, j'attends de voir qu'est-ce que tu vas sortir comme carte. Alors, j'y vais. Je vais voir. Alors, je fais ça... Je pense que c'est ça. Je ne sais pas à quoi ça va correspondre. Mais... Alors, qu'est-ce que je peux te dire de deux cartes? Elle a une couleur, ta carte. Ah oui. Ta carte, elle aurait une couleur qui serait peut-être rouge. C'est une affirmation. D'accord. De toute façon, tout est là. Affirmation. Donc ma carte est rouge? Oui. Ma carte est rouge, oui. Et c'est du cœur. C'est du cœur. Ça commence bien. Une chose sur quatre. Ben oui, mais après je mets les mains dedans, je sors un cœur. Oh, c'est trop beau. De toute façon, je ne pouvais pas savoir que c'était du cœur. Non. Quand t'as coupé. Ça, je suis entièrement d'accord. T'as regardé les autres cartes, peut-être, qu'il y en avait d'autres? Non. Bon. Et ce serait pas un 7 de cœur? Là, c'est fort. Pas mal. Là, c'est pas mal. C'est balèze. Là, c'est fort. Oui. Mais bon, tu sais comment il s'appelle ce tour? Bah, je sais pas, ça déboîte. Non, c'est pas fini. Ah. Ça veut dire que c'est pas fini. Donc, on peut aller encore plus loin. Alors, on y va. Comment on peut te faire ça? Ah, tiens, 8 plus 7, ça fait combien? Ça fait 15. 15. T'as vu, j'ai appris mes calculs arithmétiques de base. Tu vas compter 15. Et là, tu commences à comprendre. Allez. C'est balèze. Ah, c'est balèze. Si elle est en 15, c'est vraiment très fort. 1, 2, 3, 4, 5. Surtout que t'as mélangé. 6, 7, dessus, 8, dessous. 9, 10. Moi, 11, j'ai pris deux cartes. 12, 13, 14 et 15. Et on prend la 15e. C'est celle-là, la 15e? Ouais. Alors, si c'est le 7 de cœur. C'est fort. Ça serait fort, messieurs, dames. Ah, joli. Et tu peux regarder le jeu, hein? Très très bon. Il n'y a pas que des 7 de cœur, ni non, là. Non, mais ça va, j'ai compris qu'il n'y a pas que des 7 de cœur. Ni là. Jeu mélangé. Là, c'est balèze. C'est balèze. Donc, jeu pas marqué. C'est balèze. Donc, de toute façon, quand tu as fait tout ça, j'étais retourné. Donc,
J'aurais pas pu prendre. Mais bon, à part la position que tu peux connaître. Non, parce que tu as coupé après. Ouais, non, mais je veux dire, comme j'ai coupé, au moment où tu mélanges ça, si tu vois celle-là, t'en déduis le tas que j'ai ici. Peut-être. Parce que ça, c'est forcément. Ça pourrait marcher comme ça, mais c'est pas du mais tout. Non, ça. Mais même. Bah, parce que quand j'ai pris le jeu, on regardera la caméra, j'ai mélangé et j'ai pas regardé. Ouais, j'ai pas fait trop donc, gaffe. Donc, j'ai pas regardé. Je connais pas le nombre de cartes que t'as dans les mains. Je connais pas les cartes que t'as ici, là, dessous. Je vois pas, je sais rien. Il est balèze, il est facile, d'une facilité extrême, vu que je le fais moi, donc c'est pas dur. Bah c'est vrai que mélanger te sort deux cartes, alors pourquoi tirer sortir ces deux cartes bien spécifiques? Comment tu les trouves? Rapidement en plus. Ouais, et surtout pourquoi elles sont à cet emplacement aussi rapide? Parce que forcément tu dois bien les sortir de quelque part. Donc j'aurais pu sortir un cœur et un 7, n'importe quel cœur et un 7. Mais ces deux cartes, elles sont pas dans le jeu. Mais il fallait à tout prix que je prenne le 8, le 7 de, le 8 et le 7. Ou alors cette carte, elles sont pas dans le jeu. Elles y sont pas, ça. Oui, mais elles étaient pas quand t'as ben coupé. Oui, alors pourquoi quand t'as coupé, t'aurais pu prendre celle-là. Non, mais tout à fait, voilà, j'allais dire là, ça fait 15, c'est vrai, j'aurais pu couper que 10. Ça veut dire que si elles y étaient, ouais, pas, si elles y étaient pas, ça veut dire qu'il y aurait qu'un 7 de cœur et que tu es tombé pile dessus. Un miracle. Ouais, 8 de pique. Ouais, 8 de pique, un miracle. Oui, je sais. Il y en a qu'un. Hein. Non, mais c'est. Donc, c'est pas ça. J'essaye c'est pas de. Ça. Les deux cartes, elles étaient vraiment dedans et je suis allé les chercher. Là, comme ça, et c'est si balèze. Et si on fait dessous, c'est pour pas montrer ce qu'on fait. Et... C'est balèze. Avec tous les mélanges qu'il y a, même un jeu dans l'ordre, même pas ce que ça. Ouais, même un jeu dans l'ordre. On n'est pas dans l'ordre, on a bien vu que c'était. Il n'y a pas de souci. J'ai horreur de mettre les mains cachées pour faire quelque chose. Mais celui-là, il y va bien parce que. Ça permet de dire, mais qu'est-ce qu'il a pu faire? On dit pas, il a. Putain, moi, ça me gêne pas, ça. Il a truqué quelque chose. Souvent, on cache et on dit, il a fait quelque chose en cachette. Là, oui, je l'ai fait, mais c'est ça qui est bizarre. Moi, cacher, c'est comme une performance. Tu mets les mains dans le dos pour trouver une carte choisie. J'aime pas trop, moi, cacher des choses. Voilà. Non, franchement, c'est balèze. On dit, j'avoue que c'est très, très fort. Merci à Grégory, c'est lui qui me l'a dit par téléphone. Bravo à toi, merci à toi. Et merci à David aussi, parce qu'il nous appelle souvent aussi. Ouais. Et on va en faire d'autres, hein. Il y en a plein qui arrivent. Bon petit effet. Je crois que t'en as un à me faire. Allez, ben, à Jérôme. Non, c'est joli. Là, comme ça, je vois pas. On y va? Ouais. Explication? Allez. Donc, je te fais l'explication à toi. Et après, tu leur fais à eux en français, parce qu'ils parlent mieux que moi pour les explications. Allez, on fait ça? Ouais, c'est pas mal. Allez, super. J'ai hâte, parce que c'est vrai que là, j'en remonte des choses quand même. Hein. Mais c'est vrai que c'est joli. Franchement, très très beau. C'est bon, je peux couper, tu vas pas parler des heures. Non, mais très très joli, il n'y a rien à dire, l'effet est excellent. Tu dis au revoir. Allez, à bientôt.